Aussi de vos grandes expériences en matière de développement communautaire pour faire vraiment avancer le programme. L'expérience d'échange sur ces tubes, qu'on a testé dans les pays du Mali et la Guinée, était très enrichissante, dans le sens où les deux. En fait, ce sont deux pays qu'on a beaucoup de similarités. L'échange s'inscrivait dans le même cadre que notre projet du filet social et qu'on pouvait s'inspirer des approches mises en place en Guinée et au Mali. A apporté pas mal d'expérience dans le sens où une fois qu'on responsabilise la société, c'est qu'on a vu en Guinée avec l'approche Farangé, les communautés villageoises sont appropriées des approches pour réduire les complications, par exemple des grossesses des femmes enceintes, d'accord, et puis avoir des bébés en très bonne santé. Alors, c'est très intéressant. Les échanges sud-sud tels que celui entre Djibouti, le Mali et la Guinée démontrent l'utilité extrême de ce genre d'outils pour renforcer les capacités des pays et améliorer la capacité des pays à augmenter les programmes soit de nutrition ou de développement. Au vu du succès remporté, autant au niveau de la liaison et des liens qui se sont créés entre les pays, que du succès une fois qu'on a rapporté les résultats dans le pays et l'engouement que ça a créé au sein du gouvernement et des partenaires au développement à Djibouti, je recommande fortement l'utilisation des échanges sud-sud. Moi, j'aimerais bien que cette expérience soit durable, répliquée,
Dakar mise en œuvre plus souvent. Donc moi, je pense que c'est vraiment le genre de choses comme ça dans le pays, ça fait avancer les choses. Parce que si chacun apporte sa pierre à la construction, au développement, je pense que ça peut vraiment marcher. Possible dans notre pays, même je peux dire tout de suite, parce que comme il y a la malnutrition chronique dans notre pays.